Une nouvelle candidate ce soir qui a quelque part une petite revanche à prendre. Elle était présente déjà en demi-finale dans une des saisons précédentes. Elle s'appelle Loubna et elle a envie cette fois-ci d'aller encore plus loin. Et pour se porter chance, elle va interpréter la chanson d'un ancien candidat de Ron Starr, de Classe Métis à The Voice, en passant par Ron Starr. Et maintenant, il vole de ses propres ailes. Il s'appelle Michael Pouvin. Chanson magnifique, c'est comme ça, et c'est comme ça, c'est Loubna ce soir. Papillons se bousculent pour ta lumière. Et lorsqu'ils s'enragent tout autour, on préfère sourire en faisant l'amour. La vengeance et l'ignorance me résonnent comme un tambour. Come on, come on, come on and let it go. Oh, c'est si bon de leur tourner le dos. Oh, ta main dans la mienne, visons tout. Décrocher la lune, t'offrir un lit de trésor et de fortune. Il te faut du vrai pour que ton cœur enfin s'allume. Come on, come on, come on and let it go. Oh, même si je sens que tout ça est faux. Oh, prouvons-leur qu'on n'aime jamais trop. Papillons se bousculent pour ta lumière. Et lorsqu'ils s'enragent tout autour, on préfère sourire en faisant l'amour. La vengeance et l'ignorance me résonnent comme un... Elle s'appelle Loubna, mesdames, messieurs. Bravo, Loubna. C'est comme ça, de Michael Pouvin. On le salue, Michael, d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que ça fait de retrouver le plateau de Ron Starr ? Ça fait du bien. Ça fait du bien, hein ? Tu m'étonnes, ça fait du bien. Ah, j'ai vu mon amie Laurence rayonnante. Ça vous a plu ? Oui.
J'aime beaucoup la profondeur de ta voix. C'est pas une histoire de grave, aiguë, c'est la profondeur de ta voix. Tu m'as donné à te lire. Et moi, c'est ce que j'aime bien quand j'entends une voix. Qu'elle soit fine, aiguë ou grave, j'aime bien qu'on me donne à lire dans une voix, à entendre. C'est marrant, hein, mais... Oui, moi, oui. Est-ce que Loubna accédera directement la semaine prochaine au Prime ? Voici l'avis du jury et le vote du jury, mesdames, messieurs. On va demander déjà à Thierry Gueuléris. Moi, c'est oui. Mais franc, oui, parce que ou la balade à moi, ou la promène à moi, et j'adore ça à travers votre voix. Mais on dirait qu'on a déjà beaucoup d'expérience, et c'est ça qui est génial. C'est ça le chant, en fait. C'est raconter. On raconte. C'est Gaëlle. Elle a une superbe voix. Par contre, fais attention quand on est dans le grave, parce que nous avons du mal à comprendre ce que vous dites. Donc, travaille bien ça. Pour moi, ça sera un oui. Un deuxième bruit de Ségaël. Pascal Montrouge. Alors, c'est incroyable parce que tu étais pété de trac et à un moment donné, tu t'es mais planté, tu savais plus où tu étais, où la paire de chemin, tu savais plus très bien où l'était. Et à ce moment-là, où la largue les affaires, et là, tu étais présent et tu t'es lâché, et là, tu t'es ouverte, c'était génial. Donc pour moi, c'est un oui, mais comme hack. Et ben voilà, trois oui. C'est parti pour la semaine prochaine. Vous retrouverez Loubna la semaine prochaine. Directement pour le Prime. J'imagine que Laurence confirmait évidemment son enthousiasme du début. Bah oui, parce que quelqu'un qui est pété de trac s'en sert pour avancer. Alors ma fille, bah, on est en train de mettre les pieds sur les premières marches. Je vous demande d'applaudir Loubna, s'il vous plaît, qui va retrouver Alicia en coulisses. Merci beaucoup, Loubna. Applaudissements pour Loubna. Bravo, bravo, bravo. C'est bien. Bon, j'étais en panique quand même parce qu'à un moment donné, t'as été déstabilisée. Ouais, non, mais en fait, j'ai vu mes proches et ils m'ont fait un gros sourire. J'ai fait, mais où est-ce que je suis? En fait, c'est ça qui t'a fait oublier tes paroles? C'est ça. Et je me suis perdue en fait en les voyant. D'accord, parce que t'as démarré super bien, t'avais une voix nickel, le sourire, le petit look qui va bien. Et puis d'un coup, on a senti vraiment le grand vide. Et je me disais, en coulisses, ça va pas passer. Finalement, ils ont été quand même assez indulgents. Ouais, vraiment. Mais ça m'a fait du bien hein, d'entendre leurs critiques. Tout ce qu'ils pensaient, ben voilà. Je me suis dit, ça va, j'ai pas été si nulle que ça. Non, t'as pas été du tout nulle, je peux t'assurer. Ta voix était au top, faut juste maintenant apprendre à gérer tes émotions. Ouais, ouais parce que là, j'ai vu mes proches, j'ai vu mes... Pourquoi ils font ça? Pourquoi est-ce qu'ils m'aiment autant? Voilà. En tout cas, nous, on est contents de te garder. Je suis vraiment super contente pour toi. Moi aussi, je suis contente. C'est bien.